Bonjour, on se retrouve aujourd'hui à Artois Expo pour suivre en direct la 6e édition du Congrès des maires du Pas-de-Calais. C'est l'occasion pour les maires des communes, mais aussi Xavier Bertrand et les représentants de l'État, de parler actualité et défis post-Covid. C'est un congrès de reconnexion où on sent que les maires, les élus, même les exposants que vous avez réunis avec la Gazette sont contents de se retrouver. Je pense que c'était important de remettre du dialogue entre nous. Le message phare principal, c'est à l'État, faites-nous confiance. Vous avez su vous appuyer sur nous pendant la crise sanitaire. Appuyez-vous sur nous pour que l'armature dont le pays a besoin puisse fonctionner dans de bonnes conditions. Le président Bertrand ou le président Leroy, ce sont pour nous des interlocuteurs de proximité. Donc on est content de les voir aujourd'hui. L'Union régionale pour l'habitat représente les bailleurs sociaux de la région Hauts-de-France. Ils sont 56, répartis sur l'ensemble du territoire régional et disposent d'un parc de logements de 583 000 logements. Notre union régionale est la deuxième plus grosse union régionale en France. L'objectif de cette journée, c'est d'aller à la rencontre des élus, d'échanger sur les conditions pour faire encore mieux sur les territoires, pour développer le logement social, répondre aux besoins qui sont ceux de leurs citoyens dans chacune des communes du département. Et on sait que les besoins sont nombreux en matière de logement abordable. C'est très important pour nous d'être ici aujourd'hui pour retrouver le contact avec les élus. En fait, nous sommes une régie publique de l'eau, donc nous répondons aux demandes des élus. Et être ici, ça nous permet d'avoir un peu de contact et aussi d'être en live et répondre de visu à des problématiques ou alors à des questions qu'ils peuvent avoir sur notre fonctionnement. Ça nous avait extrêmement manqué ce contact humain. Et après le congrès des maires du Nord, il y a une semaine, le congrès des maires du Pas-de-Calais aujourd'hui, ça fait vraiment beaucoup de bien de retrouver nos interlocuteurs privilégiés qui sont les maires. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et notre site internet. À bientôt !